Salut à tous, c'est Neosia, on se retrouve pour la vidéo sur GTA V. Donc aujourd'hui j'ai un nouveau glitch pour vous. Donc c'est un glitch vraiment fun qui permet d'avoir les jantes en or. Donc c'est vraiment de l'or hein. C'est un peu le même principe pour la peinture en or aussi hein. Je me répète un petit peu. Alors c'est très simple, pour avoir les jantes en or vous devez prendre un véhicule. Donc pour moi c'était la LG RH8. Donc par contre ça marche pas avec tous les véhicules hein, je préfère vous le dire. Donc ensuite vous allez dans les roues. Donc type de roue, vous devez aller dans haut de gamme et vous prenez la première tout en haut qui s'appelle Shadow. Voilà, donc vous prenez celle-ci, c'est normal, hein, c'est fait pour bien faire le glitch. Ensuite, vous allez dans peinture, donc couleur plutôt, couleur des jantes, et vous cherchez jaune racing. Donc on cherche, faut descendre un petit peu. Je crois que c'est numéro 31 si je ne me trompe pas. Si j'ai une bonne... Ah bah non, c'est 25. Donc numéro 25, jaune racing. Donc vous choisissez celle-ci. Ensuite, vous allez dans type de roue. Et vous allez dans sport. Et vous prenez la première, donc jante de série. Et voilà, donc vous avez les pneus, les jantes. Vous avez les jantes en or, donc c'est vraiment cool. Donc après, moi ça suivait pas du tout avec la couleur de base que j'avais. Le orange sur la voiture avec le rouge, c'est vraiment moche. Mais c'est la voiture de base quand je l'ai achetée, hein, donc je peux rien y faire. C'est pas grave, en tout cas je vous ai dit comment avoir les jantes en or. Et moi je trouve qu'avec du noir ou du blanc, ça passe vraiment vraiment bien. C'est vraiment beau. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous invite à aller liker ma page Facebook. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.